Nous avons commencé nos activités de lutte biologique il y a plus de 5 ans pour nos chrysanthèmes en pot, ainsi que pour nos plantes ornementales, puisque nous avions eu des problèmes concernant nos géraniums lierres. Nous étions déterminés à mettre en place un programme de lutte biologique pour nos poinsettias, parce qu'il n'y a aucun produit chimique efficace pour contrôler les aleurodes permettant de lutter efficacement contre un des biotypes d'aleurodes avec lesquels nous étions aux prises. Nous avons eu des échecs et des réussites. Il semble donc que ce soit la bonne façon de contrôler efficacement les aleurodes. La première fois que nous avons vraiment mis en place un programme de lutte biologique, c'était en 2004 pour notre culture de poinsettias. Nous étions aux prises avec des aleurodes que nous n'arrivions plus à tuer avec des pesticides. Les insectes étaient totalement résistants et nous avons perdu une bonne partie de notre production. Ça nous a coûté très cher. Les propriétaires m'ont permis de mettre en place un programme de lutte biologique pour une culture au complet et ce fut une grande réussite. Je crois que nous avons produit les poinsettias les plus propres de la province de l'Ontario. Depuis 2005, nous avons de très bons résultats grâce à la lutte biologique et nous produisons constamment des poinsettias propres. Même lorsque le matériel végétal n'était pas très propre lorsque nous le recevions, nous avons réussi à réaliser le processus de production sans recourir à des pesticides. Je croyais que les entreprises de produits biologiques auraient une recette ou une stratégie que nous pourrions utiliser ou appliquer, mais j'ai constaté qu'il n'y avait pas vraiment de stratégie pour la floraison des plantes empotées ou des plantes ornementales. Ils étaient plus à l'aise avec l'industrie des légumes. Nous avons dû élaborer notre propre stratégie pour les plantes ornementales. Le programme de lutte biologique commence par une surveillance qui permet de déterminer où se trouvent les organismes nuisibles, leur nombre et pour déterminer quelle stratégie il faut utiliser. La courbe d'apprentissage exige de mettre en place certains programmes et d'examiner et d'évaluer continuellement les progrès pour voir dans quelle mesure le programme est efficace. C'est un changement de paradigme en ce qui concerne les luttes antiparasitaires. Avec les pesticides, il faut attendre que les organismes nuisibles apparaissent sur les plantes, sur les plaquettes collantes jaunes. Puis, on applique le pesticide en espérant tuer les organismes nuisibles. C'est ce qu'on appelle arroser et prier. Avec la lutte biologique, il faut penser à tous les organismes nuisibles qui peuvent s'attaquer aux plantes et mettre en place les biopesticides et les systèmes avant l'apparition des organismes nuisibles et leur découverte par le système de surveillance. Il faut construire un écosystème dans la serre. Tous les fonds nécessaires dans le cadre du programme de lutte biologique doivent être dépensés au départ parce qu'il faut mettre en place les mesures de contrôle avant l'arrivée des organismes nuisibles. Et ça, c'était une nouveauté. Ce que nous tentons de faire, c'est utiliser les produits et les quantités qui permettront de combattre les populations importantes, en sachant que nous aurons de bons résultats avec les populations beaucoup moins importantes. Lorsque je parle à d'autres producteurs et qu'ils me disent « Eh bien, ton coût par plante est très, très élevé », je leur rappelle que, dans le cadre de notre programme de chrysanthèmes, nous avons dû jeter beaucoup de plantes et en avons perdu beaucoup en raison de problèmes d'organismes nuisibles, et nous constatons que nous avons de bons résultats avec notre programme de lutte biologique. Je crois donc que, en général, lorsqu'on sous-pèse ce qu'on a dépensé, je crois que c'est très, très rentable. C'est aussi une façon très efficace d'éliminer ces organismes nuisibles. En ce qui concerne les coûts, c'est beaucoup moins que ce que nous dépensions avant pour nous procurer des pesticides. Mais nous les avons abandonnés au profit des biopesticides. Ce qu'il y a de plus dispendieux dans le cadre de la lutte antiparasitaire, c'est lorsque ça ne fonctionne pas. Vers la fin du processus de production, nous examinons les plantes pour voir s'il y a une population d'aleurodes que nous devons combattre. Si c'est le cas, nous utilisons un insecticide à ce moment-là qui nous permet de régler le problème. Lorsqu'on met en place un système de lutte biologique, cela ne signifie pas qu'on n'épand plus de pesticides. Il y a un certain nombre d'organismes nuisibles pour lesquels il n'y a pas de mesure de contrôle efficace. Et nous devons utiliser des pesticides dans ces cas-là. J'ai parlé à certains producteurs et ils m'ont dit que c'est une perte d'argent. Vous savez, je dois mettre en place les produits biologiques dans la serre et je dois ensuite épandre des pesticides. Je pourrais tout aussi bien garder mon argent et tout simplement épandre les pesticides. Mais c'est très important de comprendre que ce n'est pas vraiment une perte, parce que ça permet à un système très efficace de l'être encore plus. Mais on ne peut pas faire l'inverse.
On ne peut pas sauver une culture lorsque la lutte antiparasitaire conventionnelle a échoué avec des biopesticides. Ça ne fonctionne pas. Vous savez, c'est beaucoup plus facile d'appliquer les produits biologiques que d'avoir à revêtir une combinaison d'épandage. Presque tout le monde peut appliquer ces produits. Il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation spéciale. Ce n'est pas non plus nécessaire de le faire après les heures de fermeture. Il n'est plus nécessaire de fermer les serres maintenant. Nous pouvons les laisser ouvertes et appliquer ces produits même si des gens sont là. Il n'est plus nécessaire d'interdire l'accès à la serre pendant 12, 24 ou 48 heures après l'application. Le personnel apprécie très certainement le fait que nous n'utilisons pas de pesticides. Nos employés se sentent plus en sécurité. Ils apprécient ce que nous faisons. Ils font preuve de plus de loyauté et de passion. Il y a beaucoup moins de problèmes et nous économisons beaucoup d'argent. Les plantes, je crois qu'elles aiment bien le programme de lutte biologique. Les insecticides et les fongicides que nous utilisons sont durs pour les plantes. Il y a une courbe d'apprentissage. Mais vous savez, il faut commencer quelque part. Plus vite on commence, plus c'est facile de se mettre dans l'état d'esprit nécessaire pour faire de ces systèmes une réussite. Je crois que, à l'avenir, c'est presque assuré, nous allons tous utiliser des biopesticides. Je crois que la clé de la réussite est de s'assurer que les propriétaires des serres font partie de ce processus de mise en œuvre, qu'ils s'intéressent de près à ce en quoi consiste le programme, qu'ils l'appliquent et qu'ils effectuent un contrôle pour voir s'il est efficace. Il ne faut pas, dès qu'on voit un insecte, épandre des produits chimiques partout pour régler le problème. Il faudra donc quelques années pour tout mettre en place. Mais je crois que, dans le cas de certains des programmes qui ont été élaborés, les gens obtiendront de bons résultats presque immédiatement.